Je souhaite la bienvenue aux gens dans la salle, aux gens à la maison, à la séance régulière de votre conseil municipal. Alors, pour l'ordre du jour, Madame la greffière, on a des modifications. Oui, donc dans la gestion du personnel, une fin d'emploi pour un salarié, dans les demandes d'autorisation d'événements pour un tournoi de balle donné. Ensuite, dans les règlements, suite aux trois assemblées de consultation, donc l'adoption du second projet du règlement 2023-1241, second projet du 2023-1245, également l'adoption du règlement 2023-1242. On la proposa. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 27 mars dernier, selon ce qui vous a été proposé. Excusez pour ouais. Juste les photos. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Hull. Je l'appuie, Sébastien Côté. Merci beaucoup. Au niveau du suivi des dossiers politiques, quelques éléments à vous apporter. Alors, dans un premier temps, le 12 avril dernier, la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, ainsi que le ministre régional, M. Mathieu Lacombe, étaient en région pour annoncer des investissements de 173 millions pour la région. À Rouyn-Noranda, les principaux investissements seront pour la réfection du pont à Montbrun au-dessus de la rivière Kinojévis qui mène vers le parc national des Gabelles. On parle aussi, bien sûr, de réfection de chaussées, de remplacement de ponceaux, de rechargement dans plusieurs secteurs, Montbéliard, Anfield, Rapide 7, Rapide 2. Bref, ça touche plusieurs secteurs de la ville de Rouyn-Noranda. Nous sommes heureux, bien sûr, de ces investissements, mais on se doit de rappeler que le déficit d'entretien des routes pour l'Abitibi-Témiscamingue, le déficit est très important si on compare avec le reste de la province. Donc, il est certain qu'on est heureux des investissements, mais on sait que ça va prendre éventuellement un plan pour contrer le déficit d'infrastructures. Alors, j'ai profité bien sûr de la rencontre avec la ministre Guilbeault pour lui parler de notre demande d'aide financière pour l'entretien de nos routes rurales. On se rappellera, c'est une demande qui a été lancée au ministère depuis 2019, nous sommes grandement pénalisés à titre de ville MRC. Et la ministre Guilbeault était bien au courant du dossier et je suis optimiste, le conseil est optimiste pour la suite des choses. Nous serons dans l'attente d'une annonce formelle éventuellement, mais on demeure optimiste avec les discussions que nous avons eues. Monsieur Beauchamp, vous avez assisté à la visite de la ministre de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Mme Chantal Rouleau. Je vous laisserai faire un bref compte-rendu. Oui, tout à fait. Le comité de sécurité alimentaire de Rouyn-Noranda, avec la ressourcerie Bernard Hamel, recevait effectivement le 13 avril Mme la ministre Chantal Rouleau pour le lancement du Carrefour alimentaire. C'est une belle initiative collective au profit de notre communauté. C'est près de 700 personnes qui ont à date participé aux 64 activités de cuisine et d'ateliers éducatifs tenus au Centre Bernard Hamel. Le Fonds québécois d'initiative sociale a accordé une subvention de 117 429 qui permet la poursuite du projet. Qui est un projet pilote, donc on est en attente de nouvelles subventions pour la suite des choses. Donc, la ministre profitait aussi de l'occasion pour annoncer une consultation publique qui sera en ligne sur la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, c'était le petit compte-rendu, c'était vraiment un événement intéressant avec beaucoup de monde puis beaucoup de beaux témoignages. Merci beaucoup, M. Beauchamp. En ce qui a trait au dossier de la fonderie, de la qualité de l'air, juste un rappel, parce qu'il n'y a pas eu de séance publique depuis le 27 mars. Donc, excusez-moi, le 5 avril, s'est tenu un point de presse pour faire état de la situation en compagnie du docteur Trépanier de la Santé publique régionale. Nous avons voulu nommer les avancées de l'autorisation ministérielle. Bien sûr, nous aurions souhaité un délai clair pour l'atteinte de la norme pour l'arsenic. Toutefois, je pense qu'il est important de mentionner que la majorité des recommandations de la santé publique ont été prises en compte.
Maintenant, pour la zone tampon, lors du point de presse, le docteur Trépanier était en mesure d'expliquer les raisons qui motivent l'établissement d'une zone tampon. Nous avons bien sûr entendu les inquiétudes des citoyens, mais nous voulons lancer un appel au calme. La Ville sera impliquée tout au long du processus et nous voulons travailler aussi avec la communauté, avec les groupes aussi, dans une démarche participative et transparente. D'ailleurs, dans les dernières semaines, nous avons rencontré différents groupes, de belles rencontres. Ces échanges nous permettent de bien comprendre les préoccupations et de voir comment la Ville peut répondre à certaines d'entre elles et emporter d'autres là, auprès du gouvernement et des partenaires. Nous travaillons présentement sur les rôles et responsabilités d'un futur comité de cohabitation qui va avoir un rôle très, très, très important pour la suite des choses. Nous vous reviendrons avec plus de détails à ce sujet. Cette semaine, Mme Guylaine Marcoux, coordonnatrice à l'action gouvernementale, est à Rwanda et elle entamera la collecte des informations auprès des citoyens visés par la relocalisation. Cette prise de besoin se fera sur plusieurs semaines parce que on veut prendre le temps de rencontrer les propriétaires, les locataires et de prendre vraiment les besoins et le pouls aussi citoyen. Je voulais juste rappeler que nous avions déjà voté une résolution, il y a déjà un bon moment de ça, d'une demande au gouvernement d'un plan global centré sur la santé des citoyens. C'est important. La santé des citoyens, nous l'avons dit, c'est la priorité. Qu'on parle de prévention, de dépistage, de diagnostic, de traitement, tous ces éléments font partie de nos demandes et un suivi rigoureux sera fait. On voulait le rappeler. C'est sûr que d'autres annonces vont suivre. C'est une nouvelle page d'histoire que nous sommes sur le point d'écrire pour Rwanda. Le conseil municipal s'engage à assumer un leadership fort et à agir en toute transparence. Alors, soyez-en assurés. Alors, ça fait le tour pour le dossier fonderie. Pour les dossiers politiques, dans le fond, on aurait fait le tour. Pour les demandes citoyennes, j'aimerais juste, dans un premier temps, avant d'entamer la période des demandes verbales des citoyens, on n'a pas reçu par écrit de questions? Non. Le Conseil souhaite rappeler certaines règles qui existent afin d'assurer le bon déroulement de la séance. Le règlement, notre règlement stipule que le temps alloué aux demandes verbales des citoyens se limite à 30 minutes. C'est une règle qu'on applique avec discernement. Vous en avez été témoin. On a souvent accepté de prolonger les discussions pour des sujets qui préoccupent les citoyens ou les groupes citoyens, notamment pour le dossier de la fonderie. Toutefois, dans un souci de laisser aussi l'occasion aux citoyens de s'exprimer aussi sur d'autres sujets, nous demandons votre collaboration pour respecter le temps alloué pour le point des demandes citoyennes. Lorsque des citoyens souhaitent prendre la parole, nous vous demandons d'être concis dans vos interventions et nous allons privilégier une seule prise de parole par personne. Mais s'il reste du temps, on sera heureux de réentendre, là, mais dans notre plage de 30 minutes, on va privilégier vraiment une seule prise de parole. C'est sûr que le Conseil souhaite entendre les citoyens, ça, n'en doutez pas. Mais on se doit de rappeler ces règles-là qui sont là pour le bon déroulement de nos rencontres. Comme je vous dis, dans les dernières séances, à plusieurs reprises, on a dépassé, mais je trouvais important, le Conseil trouve important de vous rappeler cette règle-là, puis vous demandant aussi d'être concis. Alors, s'il y a des citoyens qui souhaitent s'adresser au Conseil, bien, je vous invite à vous avancer, puis vous nommer votre adresse, on a un suivi à faire, puis on vous écoute. Jean-Philippe Rioux-Blanchette, 123 Frédéric-Hébert. 123 Frédéric-Hébert. 123 Frédéric-Hébert, oui.
C'est pas vraiment facile et agréable pour moi d'être ici, de m'exprimer devant vous. On était très nombreux en fin de semaine à faire une belle marche dans le quartier Notre-Dame. Il y avait une réflexion qui revenait, puis je trouvais important quand même de la nommer. D'ailleurs, le changement du point sur la qualité de l'air, sur les dossiers politiques, en est un qui fait beaucoup de sens pour moi et qui va dans le sens de mon intervention. Donc, je vous lis ça. Conseiller, conseillère, Madame la mairesse, je tiens d'abord à vous affirmer mon respect. J'entends parler de vous avec des expressions regrettables par les temps qui courent. Une remise en question de vos capacités, de votre intelligence ou de votre travail, et je vous défends à toutes les fois, je vous le promets. Vous êtes compétent, compétente, vous travaillez dur, personne n'en doute. Le malentendu qui semble régner vient d'ailleurs. Ce n'est pas que vos communications sont mauvaises. Ce n'est pas que votre écoute de la population manque de sincérité. C'est que nous ne sommes pas d'accord sur le fond. C'est l'éléphant dans la pièce. Nous ne sommes pas d'accord avec vous. 45 nanogrammes par mètre cube d'ici mars 2027, nous les refusons. De faire payer le prix de la pollution d'une entreprise à la population prise en otage dans une zone tampon et autour de là, nous ne sommes simplement pas d'accord. D'accepter les recommandations du ministère de l'Environnement, en grande partie proposées par Glencore, qui menace du même souffle de fermer si le gouvernement va trop loin dans la normalisation, nous ne l'acceptons simplement pas. Vous pouvez nous dire que vous faites confiance aux scientifiques. Nous aussi, nous faisons confiance aux scientifiques. Personne n'est contre la science. 3 nanogrammes par mètre cube vient également de la science. Cependant, comme votre changement de point à l'ordre du jour en témoigne si bien, il n'y a pas que de la science là-dedans. Ici, on parle de choix qui sont politiques. C'est là que nous sommes désormais des opposants, vous, le conseil municipal, et nous, une partie de la population. Il faut le nommer, ça. Il faut qu'on sache que vous êtes dans notre chemin et nous sommes dans le vôtre. Nous nous opposons à vous qui cautionnez cela, tout autant qu'au ministère de l'Environnement qui plie sous les menaces de la fonderie. Notre crise à nous n'est pas celle de l'attractivité, n'est pas celle de la crédibilité des institutions politiques, c'est celle de l'air, de l'eau, de la sécurité, de la sérénité de vivre dans une ville. Cette pollution est une tare et nous refusons de vivre dans une ville tarée sans agir contre cette tare. La vérité, ce n'est pas que ne se comprend pas, c'est que nous sommes des opposants politiques désormais. Et nous continuerons de l'être. Nous sommes très nombreux à être convaincus et vous semblez l'être aussi. Mesdames, Messieurs, les conseillers, conseillères, Madame la mairesse, en tout respect, vous avez choisi votre camp, nous avons choisi le nôtre. Vous dites que vous regardez désormais en avant, et nous aussi. Les médias nationaux et régionaux continueront de parler de nous. Il y aura d'autres films. Nous allons continuer d'organiser des activités. Nous allons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour accéder à ce changement social que nous considérons comme nécessaire. On votera peut-être même aux prochaines élections. Vous avez remercié notre mobilisation et vous risquez de nous remercier encore parce qu'on va continuer. Nous aussi, on regarde en avant. Je demeure au 85 avenue Murdoch, Rouyn-Noranda. Je ne pourrais pas reprendre tous les propos de la personne qui était devant, mais je les appuie profondément. La dernière fois que je suis allée voir ma médecin, qui est interniste à l'hôpital et qui a signé avec les 50 autres médecins,
Je lui ai demandé si les maladies chroniques inflammatoires qui m'affligeaient pouvaient être en lien avec ce qui se passait dans la qualité de l'air. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait certainement pas l'affirmer de manière ferme, mais que cela me rendait des plus vulnérables. Je ne veux plus être entendue parce que ceci n'est que la première fonction de l'écoute. L'écoute demande de questionner, de réfléchir, de mémoriser et d'être capable de profonde empathie. Et j'espère que votre empathie et votre compréhension vous mettront en garde contre la compagnie la plus délinquante qu'on connaît sur Terre, qui est Glencore, et à qui on accorde tellement de privilèges. Je trouve outrageant que ce soit à eux qu'on fasse des concessions sur notre santé. Vous avez le premier pouvoir local, s'il vous plaît. Je vous demande, au nom de tous ceux qui, comme moi, doutent, d'être à l'écoute, d'être beaucoup plus qu'entendu. Merci. Bonjour. Bonjour. C'est un sujet beaucoup plus léger, je vous rassure. Je m'appelle Marie-Michel Grégoire, j'habite sur l'avenue Champlain au 227. Je suis accompagnée de Hélène Vallière du 216. Mireille Dumas-Major, 39 avenue Richelieu. Donc, notre sujet porte sur la circulation autour de l'École Sacré-Cœur. Le 24 novembre 2022, j'ai rencontré Mme Sylvie Turgeon, conseillère municipale du quartier Sacré-Cœur, pour la visite d'une problématique, la sécurité autour de l'école. En particulier, le petit Sacré-Cœur, donc le grand Sacré-Cœur qui est sur Murdoch, le petit qui est plutôt sur la 19e. Mme Turgeon m'avait alors conseillé de me présenter ici au conseil municipal pour mettre en évidence le problème, chose que j'ai faite. Une entrevue au Vidéo-Journal de Radio-Canada avait été faite par Mme Annie-Claude Luneau pour constater l'état des lieux. C'est ensuite monté, sous la tutelle de Mme Turgeon, un comité citoyen composé de parents et de policiers, d'enfants fréquentant l'école afin d'élaborer des pistes de solutions pour la circulation autour du Petit et du Grand Sacré-Cœur. Les solutions élaborées lors de la rencontre sont les suivantes. Notez qu'il ne s'agit pas d'une liste de priorités. Je suis aussi ostéopathe et pas urbaniste, donc pas les patients, mais les citoyens avec qui on avait élaboré ces solutions-là se valaient vraiment une prémisse de base. Donc, en premier, il y avait la mise en place d'un passage piétonnier sur la 19e rue à la hauteur de l'avenue Champlain avec un marquage au sol. Il y avait aussi d'avoir un brigadier lors des entrées et des sorties des élèves sur le coin de la 19e rue et de l'avenue Champlain. Installer un panneau de signalisation pour le débarcadère de chaque côté de l'école sur la 19e rue. Un arrêt simultané aux lumières pour la Murdoch puis la 19e rue. Donc, une reprogrammation, un peu comme on a au centre-ville quand les lumières sont rouges, qu'il y a seulement le passage piétonnier qui est priorisé. Puis, l'installation d'un feu clignotant au coin de la 19e rue et de Murdoch. À la suite de la création du comité citoyen, un comité de circulation avait été créé et avait évalué la problématique afin de tirer les conclusions et apporter les corrections nécessaires. Depuis plus d'un an, j'ai relancé à plusieurs reprises Mme Turgeon. Elle a fait du bon boulot. Je pense qu'elle a même mené ce dossier-là aussi, mais moi, je continuais d'appeler pour savoir où on était, l'état des résultats dans ce dossier. À mon grand étonnement, plusieurs raisons administratives peuvent expliquer l'état de la latence dans ce dossier pour finalement avoir la conclusion que rien n'a été fait depuis un an. D'ailleurs, il y a un mois, un enfant s'est fait frapper au coin de l'avenue Murdoch et de la 19e rue. Et deux jours plus tard, il y avait un panneau de signalisation qui empêchait le virage à droite sur le feu rouge, en fait, de la direction de la 19e rue pour tourner à droite sur la Murdoch. Donc, visiblement, il a fallu un accident pour avoir une signalisation.
Ma présence ici encore aujourd'hui est accompagnée et d'être accompagnée de d'autres parents concernés par la sécurité autour de l'école et pour, encore une fois, dénoncer la problématique. Il est franchement décevant de constater le manque de support et de gestion dans ce dossier et que rien n'a été fait pour améliorer la sécurité dans une zone résidentielle et scolaire. D'ores et déjà, je constate que le virage sur le transport actif de la ville de Rouyn-Noranda. Mais comment prôner un transport actif à mes enfants alors que j'habite à 600 mètres de l'école et qu'ils sont à risque à tout moment de se faire frapper? Inutile de vous dire que la sécurité me semble être prioritaire dans ce corridor scolaire. Des élus ici ont eu des enfants qui sont allés à Sacré-Cœur. Certains élus vont en avoir, qui vont aller à l'école Sacré-Cœur. J'espère que ça va pouvoir accélérer la mobilisation dans ce dossier. Merci. Merci, Madame Grégoire. Mais je veux juste dire, vous avez raison, Madame Turgeon a bien porté le dossier. Et on a aussi le président du comité de circulation, puis un autre conseiller qui y siège, qui a eu un travail de fait, soyez-en assurés. Mais ce que je peux vous dire ce soir, c'est que demain, on a une rencontre à la ville, on a un comité stratégique et le point va être à l'ordre du jour de la rencontre de demain. Puis un suivi rapide va vous être fait. Merci. Faites plaisir. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil de ville? Joseph Frenette, 546 avenue Guertin. En fait, bonsoir. Moi aussi, je vais parler de la fonderie. Il y a un mot que j'aimerais répéter au moins trois fois, comme ma fille quand elle apprend des mots à l'école. Intrants. Je trouve qu'on ne parle pas assez des intrants. Il n'y a pas de contrôle des intrants actuellement. Quand je pense, par exemple, il y a des contrôles du poids des camions sur nos routes. Il y a même à Malartic, ils ont des contrôles de dynamitage, de nombre de camions qui peuvent sortir, de nombre de tonnages qui peuvent sortir. Je ne trouve pas ça normal que la fonderie Horn, actuellement, n'a toujours pas d'obligation, de contrôle au niveau de ce qu'elle rentre dans sa machine. Donc, c'est pour ça que c'est un mot intrant que j'ai envie de voir, que j'ai envie de voir prochainement qu'on demande des contrôles d'intrant. Par rapport à ça aussi, dans le rôle de vigie aussi, je ne sais pas si vous avez pensé qu'est-ce qui va s'en suivre avec ça, mais quand il y a eu les épisodes de belles traînées noires sur la neige, j'ai toujours pas vu les résultats de ces analyses-là. Il me semble qu'il devrait être rendu public à l'ensemble des citoyens. Puis il me semble qu'il devrait avoir des résultats jusqu'à maintenant aussi. Puis les analyses, c'est au moins 25 métaux. Fait que je pense qu'on devrait avoir tout ça d'assez explicite, de façon transparente. Je ne sais pas si ça devrait être sur le site de la ville, mais pour montrer comme un suivi par rapport à ça. Puis, juste un petit dernier point pour les menaces de fermeture. On est les seuls au monde qui acceptent ces déchets-là. Même la Chine ne les veut pas. La fonderie qui veut fermer, qu'elle ferme, elle ne trouvera personne d'autre pour les prendre. Puis ça serait un bon moment de nationaliser l'entreprise à la place de laisser une multinationale délinquante nous pitcher ça dans la face. Nationaliser, ça serait mieux fait. Merci. Bonsoir, Madame la mairesse, conseiller, conseillère. Je m'appelle Miguel Charlebois. Je suis domicilié au 264 rue Montréal-Ouest. Je suis enseignant au cégep, historien et citoyen de Rouyn-Noranda de quatrième génération. Donc, je suis enseignant. Normalement, j'interviens peut-être de manière un peu plus spontanée, mais comme il y a beaucoup d'émotions, je vais me permettre de lire mon intervention. La situation dans laquelle vous vous trouvez est assurément très inconfortable. Alors que votre responsabilité est de défendre les intérêts de la ville, on vous a visiblement exclu du processus de décision et placé devant le fait accompli. Même si vous essayez très fort de vous en convaincre et de nous en convaincre, la nouvelle attestation à Glencore n'est pas une bonne nouvelle pour la ville, bien au contraire. Le gouvernement caquiste a donné à Glencore absolument tout ce qu'elle demandait, sans aucune considération pour le consensus qui apparaît pourtant clairement dans les résultats de la consultation publique menée par le ministère de l'Environnement. Majoritairement, ceux et celles qui ont participé à cette consultation réclament l'atteinte des normes nationales au plus tard au cours de la nouvelle attestation.
En exigeant de Glencore l'atteinte de 15 nanogrammes, soit 5 fois la norme nationale d'ici 5 ans, non seulement on abandonne et on sacrifie les citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda, on se moque d'eux, on les humilie, on les méprise. Peu importe les millions éventuellement consacrés à une future opération de communication, Rouyn-Noranda subira les nombreux contre-coups liés à sa réputation de ville toxique. Dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, alors que toutes les villes rivalisent pour attirer des travailleurs et travailleuses de partout, notre attractivité est durement mise à mal. Comment allons-nous convaincre travailleurs et travailleuses de la santé, de l'éducation, de tout autre domaine de venir s'installer ici? Comment convaincre les jeunes de venir étudier ici et inciter ceux et celles qui partiront se former à l'extérieur de revenir? La mise en place d'une zone tampon ne règle rien du tout. Cette mesure divise la population, nous arrache une partie de notre patrimoine, laisse tomber ceux et celles qui habitent et travaillent aux abords de cette zone alors que les futurs délocalisés sont plongés dans l'incertitude qu'accentue une crise du logement sans précédent. Cette attestation aura pour effet de plomber le dynamisme économique et la vitalité culturelle de notre ville, en plus d'accentuer la fracture sociale et de miner notre confiance envers les élus. Pourtant, si on se donne la peine de se tenir debout, nous avons le gros bout du bâton face à Glencore et ne devrions en aucun cas céder à ces menaces comme nous le faisons actuellement. Si cette seule fonderie de cuivre en Amérique du Nord est stratégiquement indispensable, elle sera opérée avec ou sans Glencore. Nous savons tous et toutes que ce n'est pas impossible d'atteindre la norme nationale, c'est seulement une question de profitabilité. Rouyn-Noranda n'est plus une ville mono-industrielle et les pertes d'emplois qui surviendraient en cas de réduction ou de cessation des opérations de Glencore seraient facilement compensées par la forte demande en main-d'œuvre et par d'autres projets de développement, tels que celui de la Horn 5, présentement bloqué étant donné le niveau de pollution démesuré atteint par les activités de Glencore. Nous devons poursuivre la lutte et exiger l'atteinte des normes nationales. Ma question pour vous, Madame la mairesse, messieurs et mesdames du Conseil de ville, allez-vous continuer de baisser les bras et plier devant le gouvernement caquiste et Glencore, où vous comptez défendre la santé, les intérêts économiques, culturels, sociaux de tous les citoyens et de toutes les citoyennes de Rouyn-Noranda? Et si vous comptez vraiment nous défendre, comment allez-vous vous y prendre? Merci. Que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au Conseil de ville? Je vais répondre à l'ensemble après. Allez-y, monsieur. Vous pouvez y aller. Oui, c'est bon. Donc, bonjour, François Gagnier, 204 Avenue Frontenac. En fait, je voulais vous inviter à la journée de la Terre, qui, en fait, à Rouyn-Noranda, il y a une marche qui s'organise, en fait, le samedi prochain, le 22 avril. Le départ sera à la place de la citoyenneté à 1h30. On invite la citoyenne, justement, à venir pour le futur de nos enfants. Puis, il va y avoir un micro ouvert par la suite, donc on aimerait bien que vous soyez là, dans le fond. Puis, deuxièmement, ben, en fait... Justement, c'est à la place de la citoyenneté, puis là, ben, on a voulu demander d'avoir accès à l'électricité. En fait, c'est simple, c'est d'enlever un cadenas là, pour avoir accès à l'électricité. Puis on nous a dit que ça prenait une demande de permis. Mais si vous vous rappelez bien, en 2021, en fait, les règles avaient été changées, puis le droit de manifester, en fait, les règles municipales n'étaient pas, dans le fond, conformes. Puis maintenant, pour demander le droit de manifester, il n'y avait plus besoin de demander des permis. Mais là, on nous a répondu que pour enlever le cadenas, pour avoir accès à l'électricité, ça prenait une demande de permis, puis après ça, bien, ça prenait des assurances. Puis, en tout cas, en 2022, quand ça a été organisé, il n'y avait pas eu ces demandes de permis-là qui avaient été demandées. Puis cette année, les demandes de permis reviennent. Puis on avait compris en 2021 que c'était un dossier qui était clos. Parce que oui, le règlement, mais là, je... On va faire une validation au niveau vraiment de la question technique là, d'accès à de l'électricité, mais de mémoire, c'est ce qui avait déclenché là, la demande d'événement qui vous a été mentionnée, mais on va valider quand même de ce côté-là. Comme je vous disais, en 2022, en tout cas du moins, on avait eu accès à l'électricité, puis il n'y avait pas eu de demande de permis là, qui avait eu besoin d'être faite avec des preuves d'assurance et ainsi de suite. On va faire la vérification, M. Gagné, puis quand vous avez des points comme ça, pas nécessaire d'attendre non plus un conseil public, là.
on est disponible, vous pouvez nous rejoindre, puis on peut vous faire les vérifications, puis vous arrivez avec des réponses rapidement. C'est excellent, merci. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil de ville? Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Michel Sculpté-Tiboilet, 16A rue Monseigneur, Réaume Ouest. Donc, je vais me dépêcher. Madame la greffière, deux questions sans réponse. J'aimerais avoir des réponses avec mon adresse courriel. Quand les coopératives d'habitation auront-elles un terrain gratuit? On aimerait avoir une espérance, un objectif de la ville de nous en. Un terrain pour les coopératives d'habitation qui se créent en ce moment sur Rouen. J'avais fait la demande, je pense, janvier ou mars quand je suis venu, et donc j'ai pas eu de réponse là-dessus. L'autre demande, c'est, j'avais demandé si c'était possible de donner une enveloppe de 10 000 $ à Maire au front pour qu'ils fassent leur activité normale. Vous avez transmis un courriel ou quelque chose? Non, j'étais venu au conseil de ville m'adresser à vous et j'ai jamais eu de suivi. Que ce soit un non, ça sera peut-être un non. Non, mais on a tous les enregistrements qu'on va vérifier. Là. Parfait. Donc, je viens vous annoncer une belle nouvelle. Le projet de salle communautaire Risle-la-Lancette se dessine tranquillement à l'horizon. La MAPAC est ouverte à nous aider. On l'a déjà rencontré une fois. Nous avons appris aussi qu'il y a d'autres projets similaires qui se construisent à Rouyn-Noranda. On va essayer de fédérer les choses. Ma question, c'est est-ce qu'on peut avoir une personne dynamique et détenant un pouvoir décisionnel quelconque de la ville de Rouyn-Noranda pour nous être assignés à notre dossier, pour qu'on ait quelqu'un donner des nouvelles quand on a des questions avec la ville? Pour dynamiser un petit peu, vous êtes une partie prenante importante de la scène municipale. Ça serait le fun d'avoir un courriel, quelqu'un en environnement. Bien, dans ce cas-là, il faut adresser vraiment une demande formelle au niveau de votre projet, comme tout le monde fait. Là, vraiment, vous adressez, vous pouvez me le transmettre à moi ou à la greffière. On va faire cheminer. Okay. On va vous faire une réponse. Parce que ça prend un écrit. La prochaine question s'adresse à Joanne Beausoleil, directrice de la SQ, et à toutes les maires et mairesses du Québec, dont vous, Mme Dallaire. Est-ce que vous pouvez faire le nécessaire, voire l'impossible, pour que plus aucun policier ne ferme les yeux sur des plaintes d'agression sexuelle d'une femme? Merci. L'autre chose aussi, je voulais vous demander s'il était possible d'établir un budget participatif d'environ 0,5% du budget global de la ville, soit environ 500 000 $. Ça pourrait être réparti de façon uniforme à travers le terrain de la ville de Rouyn-Noranda. C'est une pratique qui se fait au Québec et partout dans le monde. Moi, c'est ça, le budget participatif, on est au courant. Mais là, vous avez plusieurs demandes, comme je vous dis. Il faut adresser ça. Vous ne pouvez pas la faire juste comme ça. Là. Allez-y, là, mais ce n'est pas la façon. Donc, je suggère aussi l'idée à toutes les municipalités du Québec de faire un résumé des budgets pour les citoyens. Vous travaillez pour les citoyens, donc les citoyens seront en mesure de vous demander un modèle d'état financier qu'ils aiment, quelque chose de clair, donc taxes, subventions, versements provinciaux, autres revenus, impôts fonciers, des grandes lignes de dépenses comme vie communautaire, transport, infrastructure. Je suis technicien comptable, j'ai pris la peine de vous faire des exemples que je vais vous remettre. Donc, ma question, ça c'était juste le préambule. Ma question... Il faudrait être concis, par exemple. Oui, je vais la concire. Quand la ville de Rouyn-Noranda transférera un chèque de 9 500 $ à Maire au front ou au comité arrêt pour la prise d'échantillons de neige pour l'analyse de l'eau, je propose une proposition citoyenne que la ville de Rouyn-Noranda finance l'entièreté des coûts de surveillance environnementale engendrés par l'incohérence et l'inefficacité de ce qui est fait actuellement. Est contracté par les citoyens et citoyennes désirant avoir des données fiables, le rôle de Glencore et des différentes parties du gouvernement. Je sais qu'en tant que technicien comptable, ça prend à peu près 5 minutes de produire un chèque. Mettons, avec les réalités actuelles administratives, on peut s'attendre d'ici 2 semaines que ça soit versé. Bon, là, s'il vous plaît, là. C'était une question très sérieuse. Oui, mais là, si c'est sérieux, je ne sais pas pourquoi on rit, là. Allez-y. Bien, j'ai fini ma question. D'accord. J'attends une réponse. C'est bon. Alors, c'est sûr que s'il y a des demandes d'aide financière à faire, comme tous les organismes, il faut déposer une demande d'aide financière parce que puis on a des gens qui prennent des décisions à ce niveau-là. C'est la façon. C'est pas
faire un chèque. Là. Vous, si vous êtes dans le domaine, vous devez comprendre que c'est un petit peu plus long. Mais on reçoit ces demandes-là, ils sont analysés, puis une réponse qui est rendue. Et maintenant, là, je sais qu'il y a une campagne de sociofinancement, il y a d'autres choses, mais on n'a pas reçu de demande. D'accord? Oui, parce que pourquoi j'en arrivais à là, c'est encore les citoyens qui doivent faire la preuve du gros bon sens. Le fardeau revient encore aux citoyens. Mais, puis la facture pourrait être partagée en haut tiers, au fédéral, au provincial et à vous. Ce que je veux dire, je vais vous dire sincèrement, puis tous les organismes, en tout cas, je pense, qui déposent des demandes d'aide, c'est tout louable. Puis on en annonce ici des montants quand même assez élevés. On accorde des montants. Puis il y a beaucoup de belles demandes, de beaux projets, de besoins qui sont grands. Puis on l'analyse puis on y répond. OK? Faudrait... Okay. La santé des enfants, des êtres humains, ben, c'est important. Il y a des risques que ça soit subventionné. Oui, la santé, là, puis il y a des choses en lien avec ça aussi. La qualité de vie, la santé, ce sont tous... Il y a beaucoup d'organismes qui déposent des demandes qui sont analysées puis acceptées parce que ce sont de beaux projets. Je connais les conséquences du néolibéralisme. Merci beaucoup. Là, excusez, il nous reste combien de temps, madame? Ce ne sera pas très long. Cinq, en fait, non, c'est bon, pour une précision, Joanne Allary, 199 Tachereau-S. En fait, bon, on ne s'attendait pas à cette demande-là de celui qui vient de passer, mais, madame la mairesse, j'ai bien entendu que vous avez dit qu'on peut faire des demandes. Maire au front, en effet, vous savez qu'on a fait l'analyse de neige et qu'on est à la recherche de 10 000 $ en effet. On a une campagne de financement sur la plateforme Zephy. Je vous invite à y participer. Mais nous sommes un comité citoyen, nous ne sommes pas enregistrés. C'est que, à mon avis, on ne peut pas faire de demande, programme de soutien. Vous n'êtes pas enregistré? On n'est pas enregistré. On est un comité citoyen. Alors, juste pour vous dire qu'on ne peut pas officiellement faire une demande à la ville. Adressez une demande, Mme Allary, puis on va... C'est bon. Bien, on l'entend, ça fait que... Même si on est des opposants, là, on va... Ça fait que je vous invite à regarder cette demande-là qu'on va vous faire. Merci. Est-ce que d'autres citoyens souhaitent s'adresser au conseil? Sinon, rapidement, ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, pour ma part, je ne sais pas s'il y a des conseillers qui... mais je serai très brève. Pour ma part, je ne considère pas que les parties prenantes ou les groupes qui militent sont des opposants. Je suis bien triste de vous entendre, surtout pas avec les belles rencontres qu'on a eues depuis la semaine dernière. Avec différents groupes, je considère pas ça. Alors, mais bon, et oui, nous vous invitons aussi à nous écouter aussi. Ça va dans les deux sens. Et puis, je prends note lorsque les résultats de la santé publique, on parle pour la neige, ces choses-là, qu'on publie l'information là, peut-être là, dès que, hein? De l'environnement, excusez, j'ai dit santé publique, mais c'est l'environnement, qu'on publie les résultats, je comprends. On a parlé de transparence, puis c'est clair que c'est dans nos souhaits, dans notre ligne de conduite aussi, puis... N'hésitez pas à leur envoyer la demande aussi. C'est ça, on prend ça, c'est vrai. On est là, vous pouvez l'adresser directement à l'environnement. Je comprends que c'est la seule tribune que vous avez de venir au conseil municipal, puis on prend tout ça, mais il y a des choses qui ne nous appartiennent pas, mais on est heureux de porter vos demandes. Mais vous pouvez aussi les adresser aux principaux paliers de gouvernement qui sont responsables de diverses choses. Alors, on est capable d'en prendre, mais à un moment donné, là, il y a des choses qui s'adressent aussi ailleurs. Et non, on ne baisse pas les bras. Non, on ne baisse pas les bras, puis je pense qu'on le prouve par nos actions aussi. Et la mise en place dans les prochaines semaines aussi du comité de vigie, du comité de cohabitation, du plan de santé global. Non, ben c'est pas les bras, c'est pas vrai. Ça, j'accepterai jamais de me faire dire ça.
J'accepterai jamais ça. Et l'autre chose que je veux vous dire, comment on va attirer les gens ici à Rouyn-Noranda dans l'avenir? Bien, ça va être par nos actions, notre mobilisation, le travailler ensemble, ça va être parce qu'on va être un modèle de mobilisation, puis que Rouyn-Noranda va devenir une ville très attractive. Et pour ça, il faut travailler ensemble. Alors, je veux juste vous dire que c'est par la façon dont on va travailler ensemble qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on le voit. Alors, par notre mobilisation. Oui, bien, je vais vous dire qu'on est très... Monsieur, on ne peut pas parler dans le... Si vous voulez venir, monsieur, bien là, la période est terminée. Mais si vous voulez venir, je vais y aller. Allez-y, vous voulez venir au micro? Non, on ne parle pas... Non, on ne parle pas dans la salle au conseil municipal. Je m'excuse. J'ai très, très hâte d'entendre votre réponse à monsieur l'historien, là. Que je ne me souviens pas de son nom. Il vous a posé une question que, en tout cas, on trouve toute pertinente, puis on a hâte de l'entendre, de la réponse. Merci. C'est quoi la question déjà? Juste me rappeler la question. Je m'excuse, rappelez-moi la question, parce qu'on a eu plusieurs, puis j'ai pris un paquet de notes, là. Est-ce que vous allez vous battre pour atteindre la norme ou vous allez baisser les bras et vous allez accepter cette... Bon, là, mais ça, c'est pas une question de baisser les bras. Il y a une autorisation qui a été délivrée où il y a un 15 nanogrammes dans 5 ans. L'autorisation est là. Il y a aussi, parallèlement à ça, une zone tampon, une recommandation de la santé publique. C'est déjà là. On baisse pas les bras. Nous, ce qu'on souhaite, c'est éventuellement, bien sûr, l'atteinte du 3 nanogrammes, mais en attendant notre rôle de vigie, que ce soit par notre présence au comité de vigie, que ce soit par le comité éco-habitation, puis je répète les mêmes choses, on est loin de baisser les bras, soyez-en assurés, et la santé de nos citoyens, c'est la priorité, et c'est ce qu'on travaille. Je veux juste le dire, l'autorisation est là, là. Elle est là pour 5 ans. Ça, non. Non, ça se modifie pas. Allez-y, monsieur. Vous avez vu le commentaire qu'il vient de faire, là? Le monsieur en sortant, là, c'est moi, c'est Michel Gauthier. Oui, je sais, monsieur. 91 Avenue de la Rivière. OK? Les propos qu'il dit en sortant, le monsieur, là, il y en a plusieurs en ville là, qui pensent à la même maudite affaire de vous autres. Quand on a un conseiller assis en entour de la table, là, ici, là, présentement, là, comme monsieur Beauchamp, là, il ne fait pas si longtemps, là, d'une interview à la télé, il a dit que les citoyens du quartier Notre-Dame, il y avait des petits soucis du quotidien. Tabarnak, on va défaire une zone complète. Je m'excuse. Non, je m'excuse. On ferme le micro. Parce qu'il n'y a pas de sacrage ici, je m'excuse. Ah ben, je suis désolé. Et puis là, vous prenez ça hors contexte. Madame la mairesse, je vais demander de l'ajournement de la réunion, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez fait votre camp. Un ajournement de... Désolé pour les gens en présence et les gens à distance. Nous sommes désolés, mais l'ajournement... du conseil municipal est absolument nécessaire. Il y a des règles de bonne conduite qui sont exigées dans un conseil municipal. Les attaques personnelles, manque de respect, ce ne sera jamais accepté ici. Et puis, surtout pas des paroles qui peuvent s'apparenter à de l'intimidation. Jamais, jamais, jamais le conseil municipal va accepter ça. Alors, on recommence la rencontre, si vous permettez, membre du conseil. Alors, nous en sommes, Mme Carignan, aux dérogations mineures. Oui, bien sûr. Donc, je vais avec le 206 rue Taschereau-Ouest, présenté par M. Gilles Pelletier, un avis favorable du CCU relativement à la localisation d'un bâtiment accessoire garage. Des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Je l'appuie. Sébastien Côté. Merci. La suivante, au 290 rue Monseigneur Réaume S, présentée par 9427-9908 Québec Inc., avis favorable du CCU relativement à l'aménagement projeté de 5 cases de stationnement.
Des commentaires dans la salle? J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sébastien. Merci. Et le dernier est reporté, Mme la greffière. Oui, oui. 98 14e rue, là, Québec Inc. Un avis défavorable qui avait été émis par le CCU. Cette recommandation-là est remise au 8 mai. Alors, est-ce que ça prend pas de résolution? Oui, les mêmes propositions. J'en fais la proposition. D'accord. Le report de, et M. Côté vous appuie. J'appuie, oui. Alors, aux affaires générales, M. Chevalier. Oui, Mme Dallaire. La liste du personnel engagé, on parle de 4 personnes, des statuts occasionnels et réservistes, surtout au niveau journalier et le programme d'animation là, estival qui s'en vient à grands pas. Par la suite, les nominations. Donc, on commence avec Mme Stéphanie Larouche-Leblanc, coordonnatrice du développement social et communautaire. Mme Larouche-Leblanc détient une maîtrise en anthropologie, un baccalauréat en anthropologie ainsi qu'un baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes, en plus d'un certificat en anthropologie sociale et culturelle. Elle possède plusieurs expériences de stage, et a également de l'expérience professionnelle, entre autres, au sein du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI. Par la suite, la nomination de Mme Josée Bédard, secrétaire administrative principale aux ressources humaines. Mme Bédard occupe un poste actuellement de secrétaire administrative depuis 2011. Elle possède une formation professionnelle en secrétariat. M. Julien Barry-Dubuc, technicien parc et équipement, espace public externe et sportif. M. Barry-Dubuc occupe actuellement un poste de préposé à l'entretien des arénas, et ce, depuis 2012. Nomination de Mme Stéphanie Rancourt, chef de peloton. Mme Rancourt a suivi les formations de pompier 1 et de pompier 2. Elle est pompière à temps partiel pour la ville de Rouyn-Noranda depuis le 19 octobre 2015. M. Pascal Russell, ouvrier d'entretien dans les quartiers Baudry, Bellecombe et Cloutier. M. Russell occupe le même poste actuellement à titre de réserviste, et ce, depuis décembre 2022. M. Éric Laplante, ouvrier d'entretien pour les quartiers Arnfield, Montbéliard et Relais. M. Laplante occupe le même poste à titre de réserviste, et ce, depuis octobre 2022. Au niveau des embauches, maintenant, M. Thomas Allé-Godette, technicien en génie municipal. M. Allé-Godette détient un diplôme d'études collégiales en technique de génie civil. Il possède plusieurs années d'expérience en arpentage et en tant qu'adjoint chargé de projet en construction. M. Alexandre Lévesque-Bellan, ouvrier spécialisé aux eaux usées. M. Lévesque-Bellan possède une formation ASP Construction ainsi que plusieurs années d'expérience dans des emplois manuels nécessitant des tâches d'entretien et de réparation. Ça complète les embauches. Il y aurait par la suite une modification de l'organigramme du service du greffe. Tout simplement, le titre de fonction de greffière adjointe est modifié afin d'inclure et chef du contentieux. Donc, voilà. Et finalement, fin de l'emploi du salarié portant le numéro 04091. Alors, merci, M. Chevalier. Donc, pour les nominations, la liste personnelle engagée, les embauches, l'organigramme du service du greffe et la fin d'emploi. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Houl. Je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Les octrois de contrat. Oui, on poursuit avec les contrats. Donc, réfection des services municipaux sur l'avenue Québec et la rue Perrault, à Lamotte, division de Sintra Incorporée, au montant de $1,749,649.63, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Réfection de services municipaux sur l'avenue des Rochers, à 9148, trait d'union 3701 Québec Inc., à Isis Corporation, au montant de $977,090.96, taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Pour les octrois de contrat? On fait la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Par la suite, autorisation de signature de l'entente de location des espaces utilisés par Glencore dans l'aérogare, donc à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda. J'en fais la proposition, Sylvie Surgeon. Puis la proposition, Claudette Carnia. Merci beaucoup. On continue avec le programme d'appui aux collectivités du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, le MIFI. Donc, autorisation de signature de l'avenant de la Convention d'aide financière, signée en mars 2022.
ainsi que l'autorisation de signature de l'entente sectorielle de développement visant la convention d'aide financière. J'en fais la proposition, Claudette Carnier. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Et finalement, l'autorisation de signature de la première convention collective des lieutenants à temps partiel du côté de l'équipe des incendies. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey-Houl. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup, M. Chevalier. Merci, Mme Dallaire. Pour les sujets des membres du Conseil, M. Côté. Oui, Mme la mairesse. J'aimerais prendre 2 à 5 minutes, dépendamment comment je vais parler, pour remercier le... Vous avez 30. 30? Mais 30? OK, parfait. Je vais finir avec une question. Vous allez... Je vais vous terminer ça avec une question. Pour remercier les équipes de la Ville qui ont participé et qui ont donné un très bon coup de main pour le tournoi de curling, championnat canadien de curling junior qui s'est tenu du 26 mars au 2 avril ici à Rouyn-Noranda. Un merci particulier à M. Carl Bergeron et M. Fafard et leur équipe de la Ville. Les commentaires qu'on a reçus de Curling Canada, ça dépassait le 5 étoiles lors de la soirée de fermeture. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais été aussi bien reçus et que leurs demandes n'ont jamais été aussi bien écoutées. Donc, un gros merci aux équipes de la Ville. Ça fait du bien d'entendre ces bons mots. Et un merci aussi à M. Bédard pour l'organisation de ce tournoi-là. Plusieurs d'entre nous sont allés, puis c'était dur de reconnaître notre aréna, là, l'intérieur de l'aréna Jean Taperrière, que ça pouvait ressembler à ça avec des allées de curling, mais c'était vraiment beau. Oh non, c'était grandiose, oui. C'est un bon qualificatif. On est bien fiers de ça. Merci de le souligner, M. Côté. M. Beaulieu. Oui, concernant les places en garderie, c'est un sujet qui fait abondamment parler depuis longtemps. On est en déficit de places, beaucoup de gens le disent, on manque de places en garderie. Évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui, des demandes qui sont adressées là, souvent par rapport au ministère et tout ça, mais sur un élément sur lequel on avait une prise, il y a depuis déjà un certain temps, plus d'un an, avec le CLD de Rouyn-Noranda et avec donc plusieurs partenaires, il y a eu un pot commun là, qui a réussi à faire en sorte qu'on puisse stimuler la création de places en garderie au niveau des milieux familiaux. Et donc, il y avait justement de la place, là, des places qui étaient disponibles de ce côté-là. Alors, ça a été pris à bras-le-corps. Et vous dire, dans le fond, on arrive aujourd'hui avec 102 places qui ont été, dans le fond, octroyées par rapport à ces mesures d'aide-là, financières et d'accompagnement qui ont été faites. Donc, plusieurs rencontres d'informations. Et il y a donc passablement de gens qui se sont lancés. Il y a 18 garderies en milieu familial privé, si on veut, là, qui ont réussi à être converties là, en termes de places de garderie officielle, et 84 nouvelles places. Donc, c'est quelque chose qui a fonctionné. Je pense qu'on peut s'en féliciter à Rouyn-Noranda. Ce n'est pas tous les secteurs, tous les territoires là, qui sont parvenus au Québec à sortir justement cet élément-là pour réussir à le mettre sur pied et en plus à donner des beaux résultats comme ça. Donc, néanmoins, il y a d'autres choses, il y a d'autres éléments à faire savoir en lien justement avec les places en garderie, mais du moins ça, on l'a bien fait, on peut s'en féliciter, donc bravo. Absolument, puis féliciter l'initiative portée par le CLD, là, vraiment, on peut être fiers de ça. Merci, M. Beaulieu. Au niveau de la correspondance, M. Beauchamp. Oui, donc, j'apporte une proposition. Donc, il y a l'autorisation qui soit accordée à l'École nationale de protection pour la tenue d'une course chromatique. J'ai déjà été prof d'art plastique, fait que on parle de couleurs. Je ne sais pas si c'est la tenue des participants qui varie ou si on se passe des couleurs, mais voilà. C'est pas l'homme de Cro-Magnon, là. Non, c'est pas okay. Tout à fait ça. Donc, ça devrait avoir lieu le 25 mai 2023, entre 12h30 et 15h. Et puis, ben, ça serait reporté au lendemain là, s'il y avait des intempéries. Et puis, lors, à cette occasion-là, il y a une demande d'autorisation soit également accordée pour la fermeture temporaire de la ruelle entre la 5e rue et le chemin Trémois, derrière l'École Notre-Dame de protection, le tout tel que soumis par des membres du Conseil. Donc, j'en fais la proposition, madame. Puis la proposition, Yves Drolet. Et tout le monde est bien sûr en accord. Monsieur Drolet, vous êtes rendu au jour de l'an, là. Ben oui. Il y a un beau comité organisateur qui relance le jour de l'an encore pour 2023.
L'activité jour de l'an 2023, non, 2023, on n'est pas 2024, là. C'est pour le jour de l'an 2024. C'est le jour de l'an 2024. Moi, j'ai 2023 ici, là, parce que 2024, c'est dans un an. Là. On n'est pas là. C'est vrai que j'étais en retard à Bellecombe, non, c'est pas vrai. Non, non. Regardez, donc, l'utilisation de la salle communautaire. Alors, bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une belle activité qui est là, qui revient cette année, en même temps d'utiliser les services techniques. Les organisateurs aussi vont avoir une assurance responsabilité et en même temps, d'avoir un permis aussi pour... la régie des alcools là, pour la boisson et tout ça. En tout cas, je fais la proposition là, au niveau de offrir cette Vous avez raison, la veille du jour de l'an, c'est en 2020. Ouais, c'est ça. Là, vous avez bien raison. J'ai tenu mon bout. Là. Vous en faites la proposition? Moi, j'appuie sa proposition pour le passage du 2023 à 2024. D'accord, merci. Madame Razéoul. Oui, dans la même veine d'autorisation d'événements, il y a une demande pour un tournoi de balles de nez mix à Évin au terrain de balles, évidemment. Donc, avec consommation, vente d'alcool, vente de nourriture, installation de chapiteaux et stationnement de roulottes. Alors, c'est du... J'étudie les dates, non? 9, 10 et 11 juin 2023. Alors, j'en fais la proposition. Un appui. Je l'appuie, Daniel Camden. Merci beaucoup. En 8.2, il y a la Commission municipale du Québec qui sollicite l'opinion du Conseil pour une demande de renouvellement de reconnaissance d'exemption de taxes foncières pour l'école de danse pour ses activités au 555 boulevard du Collège. Alors, lorsque le Conseil reçoit des demandes comme ça, bien sûr, on ne s'oppose pas au dépôt de la demande de renouvellement, mais on laisse la Commission municipale... prendre la décision. Ça prend un proposeur. J'en fais la proposition, Samuel Ramsey. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci. Aux affaires politiques, M. Beauchamp. Donc, concernant la politique d'art public, donc fier de l'art qui se multiplie de plus en plus sur le territoire, le Conseil vient encadrer cette pratique par l'adoption d'une première politique municipale d'art public. Cette politique permettra d'être plus proactif dans le déploiement de l'art dans l'espace public. Elle établit les normes financières qui précisent et engagent ainsi de façon concrète la ville en faveur d'un plus grand accès à l'art dans les espaces publics sur tout le territoire et si le but est d'accord. Donc, la politique vient donc encadrer les initiatives du milieu à générer des projets en créant un fonds financier. Identifier des secteurs. Voilà. Le micro pourrait aller un peu plus. Je vais reprendre sur la fin. Donc, la politique vise à encadrer les initiatives multiples du milieu, à générer des projets en créant un fonds financier, à identifier les secteurs pour les œuvres d'art, à intégrer différentes disciplines artistiques, à élaborer un diagnostic et voir à ce que une bonne conservation des œuvres soit faite, ainsi qu'à favoriser la participation citoyenne dans l'implantation de l'art public dans le quartier. Et j'en fais donc la proposition, Madame la mairesse. J'appuie la proposition, Claudette Carnien. Merci beaucoup. En 9.2, Monsieur Dallaire. Oui, alors un projet de résolution pour appuyer la Société de l'eau souterraine de l'Abitibi-Témiscamingue concernant le cadre de gouvernance pour l'exploitation industrielle et commerciale de l'eau. Est-ce que je lis les attendus que au complet? Oui. Peut-être résumé. Oui. Dans le fond, la Société de l'eau souterraine travaille depuis longtemps dans la région pour conserver cette ressource naturelle-là extrêmement importante. Et dans le fond, elle nous a envoyé des guides, dans le fond, pour qu'on puisse appuyer leur travail. Que la ville de Rouyn-Noranda appuie le cadre de gouvernance pour l'exploitation industrielle et commerciale de l'eau en Abitibi-Témiscamingue de la SESAT, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la SESAT. Et vous en faites la proposition. Oui, j'en fais la proposition, bien sûr. L'appui, Samuel Randioul. Merci beaucoup. Monsieur Beaulieu.
Oui, au niveau de l'assurabilité des... Juste, il y a un point précédemment, 9.3, la contribution financière à la Fondation de l'UQAM. Excusez-moi, c'est moi là que... Le patrimoine est emballant, mais désolé. On va passer l'autre point. Puis c'est important. Alors, à chaque année depuis... 2009, de mémoire. 2009, la ville avait pris l'engagement de versement de 100 000 $ par année à la Fondation de l'UQAM. Donc, c'est vraiment que soit autorisé le versement de la subvention cette année de 100 000 à la Fondation pour l'année 2023. Alors, le tout tel que soumis. On fait la proposition, Yves Trollet. Je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Mais M. Beaulieu, je vous laisse poursuivre. Voilà pour le patrimoine. Les immeubles patrimoniaux, en fait, parmi les différentes choses qui sont traitées là, dans le comité patrimoine toponymie, on s'est rendu compte que surtout dans les régions davantage là, dans le sud du Québec, il y a de plus en plus d'immeubles patrimoniaux pour lesquels les primes d'assurance augmentent de manière importante. Et il y a un certain travail qui se fait là, à ce niveau-là pour faire en sorte que de plus en plus, justement, en se lançant à classer ou à citer patrimonial certains biens. Bon, que ce soit une avancée, c'est parfait, mais pour pas que ce soit une lourdeur indue là, par rapport, justement, à des primes d'assurance qui augmenteraient de beaucoup. C'est histoire, là, ici, de passer une résolution pour se montrer solidaire à ce que, effectivement, ce problème-là puisse se régler par différentes manières là, le plus rapidement possible. Et faites à noter quand même ici, il y a très, très peu de cas qui ont été répertoriés en Abitibi-Témiscamingue de problématiques en ce sens-là. Par contre, on sait que ça pourrait venir si, évidemment, on ne s'y attarde pas. Donc, dans le fond, il s'agit ici là, de demander au gouvernement d'intervenir auprès aussi du gouvernement du Canada pour, et les autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions pour garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et ça, peu importe l'âge du bâtiment, d'une composante, l'identification du bâtiment à un inventaire, on est en train d'en faire un, son statut, localisation, zonage, soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Donc, en somme, voilà, proposition d'en faire l'adoption ici aujourd'hui. J'en fais la proposition. Et un appuyeur? L'appuyer, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup, Mme Turgeon. On a en 9.5 la demande d'aide financière pour le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Donc, que Mme Nathalie Dufresne, coordonnatrice de la table GIR et soutien à l'aménagement du territoire, soit autorisée à déposer au nom de la Ville une demande d'aide financière au ministère du Transport et de la Mobilité durable dans le cadre du volet 3 du programme d'aide aux infrastructures de transport actif pour l'entretien de la cyclovoie du partage des eaux. Alors, un proposeur. On fait la proposition, Mme la mairesse Stéphane Girard. Je l'appuie, Samuel Ramsey-Houl. Merci. Donc, on est rendu aux procédures administratives. Donc, vous avez eu l'approbation des critères de la grille. Vous vouliez y aller, hein, Mme Turgeon? Allez-y. Vous êtes bien partie, Mme la mairesse. Vous pouvez continuer. Non, mais c'est dans votre secteur. Allez-y. Ah, bon. Finalement, effectivement, on a besoin d'une proposition pour l'approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres conformes concernant la fourniture et l'installation des jeux aquatiques à la plage Kiwanis. Vous avez bien compris? Des jeux aquatiques à la plage Kiwanis. Il faut préciser ici que ce n'est pas pour cette année. Attendez-vous pas de voir ça en 2023, mais bien en 2024. Alors, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. Je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Madame la greffière, pour le remboursement à la SHQ. Donc, il s'agit d'un remboursement d'un montant de 78 000 $, une aide financière qui avait été accordée à la société, par la Société d'habitation du Québec à la Corporation Waskahegan pour un projet qui, malheureusement, n'a pas pu se réaliser. Donc, comme ce montant avait été versé spécifiquement pour ce projet-là à la Ville de Rwanda, on demande le remboursement. Un proposeur. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Pour le point suivant, on veut avoir une résolution pour un emprunt, au fonds de roulement pour l'achat d'un nouveau système de son pour le centre communautaire Clovis-Gay pour un montant de 3 210 $. On fait la proposition, Madame la mairesse. Et je l'appuie, Daniel Camden.
Merci. Pour Mme Lagraffière, pour... 10.4, oui. Le programme de supplément au loyer, donc le versement de la contribution annuelle aux intrépides de Rouyn-Noranda pour les immeubles chemin Dr Lemay et avenue Richard. On parle d'un montant de 10 302 $ et 10 pour l'exercice financier 2022. On en fait la proposition, Samuel Radioul. Je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci. Mme Carignan. Concernant notre organisme Transport adapté, qui est un organisme mandaté par la Ville sur notre territoire pour offrir des services à nos personnes à mobilité réduite, ce service bénéficie d'une aide du ministère des Transports, qui est toujours plus tard dans l'année. Donc, la demande du Transport adapté est que la Ville puisse faire une avance sur ces fonds qui sont attendus du ministère pour leur permettre de continuer d'opérer puis d'offrir le service. Donc... pour cette année, puis pour les années... Pour les années subséquentes également. D'accord. C'est bon. Parce que les subventions du ministère sont toujours très tard. Donc, on va se rembourser quand le ministère va nous envoyer les montants. Donc, j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Merci beaucoup. Alors, pas de recommandation des conseils de quartier. On a l'approbation des comptes... selon le relevé qui a été fourni, au montant total de 8 865 592 $ et 20 sous. Un proposeur. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Puis la proposition, Yves Trollet. Bon, pour les avis de motion, il n'y en a pas. Au niveau des règlements, Mme Lagraffière. Oui, donc en 14.1, l'adoption du règlement 2023-1235 qui modifie le règlement de zonage 2015-844 pour modifier la grille de la zone 50-56, on est dans le secteur de McWaters, rang du Vieux-Pont, pour y permettre la construction de bâtiments résidentiels en structure jumelée. Ensuite, à 14.2, suite à la consultation publique il y a quelques semaines là, concernant le règlement de zonage 2023-1239 pour le chemin des Chênes et chemin du lac Évin dans le secteur de Montbéliard, plusieurs citoyens étaient venus manifester des préoccupations. Il y a eu des rencontres qui ont eu lieu et finalement, le projet sera revu, c'est-à-dire que il existe d'autres outils d'urbanisme qui permettront de donner suite à ce projet-là, qui feront aussi l'objet de consultations publiques. Les citoyens qui avaient formulé des commentaires ont été informés de la démarche qui viendra plus tard cet automne. Donc, pour ces raisons-là, le Conseil souhaitait mettre fin au projet de règlement 2023-1239. Ensuite, à 14.3, l'adoption du règlement 2023-1243 qui modifie le 2022-1231 sur la tarification globale pour définir le tarif applicable relatif au règlement de démolition d'immeubles. Il s'agit d'une obligation transférée par le gouvernement provincial pour certains types d'immeubles. Là, le règlement avait été voté précédemment. Ensuite, suite aux consultations publiques... Oh non, excusez-moi, il en reste un autre avant. Donc, l'adoption du règlement 2023-1244 qui autorise l'octroi d'un permis aux fins de construction d'un service de garde pour la garderie Petite Lune dans le secteur de l'extrémité de la rue Père-Ouest. Suite aux consultations publiques qui ont eu lieu juste avant la séance publique, donc l'adoption du second projet du règlement 2023-1241 qui concernait les secteurs de Baudry et Évin. Le 2023-1242, il s'agit de l'adoption du règlement pour les enseignes pour les bâtiments et équipements collectifs municipaux. Et finalement, le second projet du règlement 2023-1245 pour les... Non, excusez-moi, tantôt j'ai dit 1241, c'était pour les kiosques temporaires, j'ai mélangé. Et 1245, c'est pour le secteur de Baudry et Évin. Donc, ça totalise tous les règlements. Proposeur. La proposition, Claudette Carnia. Je l'appuie, Samuel Ramdioul. D'accord. Il y a la période allouée aux journalistes, de façon individuelle. D'accord. Alors, la levée de la séance. Peut-être avant la levée de la séance, peut-être parce que je sais qu'il y a des gens à la maison qui ont peut-être quitté, sont revenus. On est désolé d'avoir dû ajourner la séance, mais c'était absolument nécessaire parce qu'il y a des règles, je rappelle qu'il y a des règles de conduite qui sont exigées en conseil municipal et que jamais on va accepter non plus des attaques personnelles et un manque de respect en séance publique. Alors, désolé des inconvénients causés. Sur ce, la levée de la séance. La proposition, Sylvie Turgeon. L'appui, Samuel Ramsey. Alors, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.